Dans ce direct, je vais m'adresser à Bala Samoura, Idi Amin et Bachir. Parce que c'est clair, nous avons appris que c'est les trois-là qui veulent enlever nos responsables du RPG. Nous avons appris que ce sont eux qui veulent enlever le responsable, encore une fois, du RPG. Bonsoir à mon beau Aliou. Salam alaikum, mon beau. Les gens veulent la paix. Vous demandez la paix. Vous demandez la cohésion. Vous allez faire le sacrifice pour la paix. La lecture du Saint-Coran pour la paix. Et vous créez la terreur. Voilà pourquoi vos prières ne vont jamais réussir. Ce sont aujourd'hui des dépenses inutiles. Ou bien vous faites exprès, ou bien je ne sais pas, vous moquez des... C'est-à-dire vous moquez de vos fans, des personnes qui vous suivent. Parce que moi, je ne comprends pas. Nous entendons par-ci, par-là, qu'ils ont tué un peu ou des bœufs. Il y a une lecture du Saint-Coran, comme le maire de Matoto d'avant. Mad Batos avait organisé une lecture Saint-Coran. Il avait enlevé le sacrifice pour la prier pour la paix et la cohésion dans ce pays. Lorsque nous avons demandé à Mamadou Batos, qu'est-ce que lui il a fait pour que la paix revienne, il a demandé la libération des uns et des autres. Est-ce qu'il a demandé qu'on fasse la paix en laissant les gens rentrer et faire la politique? Est-ce que regardez le patron de la CRIEF qui a mis quelqu'un en prison. Et vous voulez la paix. Les Damaro ont passé 3 ans en prison. Kassori, 3 ans en prison. Kuruma, on n'en parle même pas. Je ne sais même pas de quoi on accuse Kuruma. On dit non, le déguerpissement et autres. Et pourtant, Ousmane Gawal, alors, non. Donc, chers frères et sœurs, je vais d'abord commencer par m'adresser à Bala Samoura, c'est pas grave. Tu sais ce qui me plaît chez toi, Bala Samoura. C'est parce que on t'a expliqué, ils t'ont détaillé que tu vas faire la prison dans ce pays. Ils t'ont expliqué de long en large, tu le sais très bien que dans ce pays-là, tu vas faire la prison. Ça c'est clair. Maintenant, je suis très surpris que le nom de Bachir, le ministre de la Sécurité, apparaît dans cette situation d'enlèvement des responsables du RPG. Est-ce que vous comprenez? C'est ce qui me surprend et qui m'étonne. Monsieur Bachir, bonsoir à tout le monde, partagez. Vous avez vu que lorsque certains nous disaient, c'est-à-dire, on t'appelle au téléphone, Benito, comment vas-tu? Est-ce que ce serait pas vraiment judicieux que celui-là le rentre? C'est-à-dire, il prend son téléphone. Il est militant sympathisant du CNRG. C'est-à-dire, quand il t'appelle Johnny, allô, Johnny, ah, ne le fais pas ça. Comment vas-tu? Je suis tes vidéos, je t'apprécie beaucoup. Mais là où nous sommes arrivés comme ça, là, est-ce que le seul ne doit pas rentrer? Parce que celui-là est plus actif quand il rentre. Plus qu'à l'extérieur. Voilà, j'ai suivi ta vidéo hier, lorsque tu parlais de Selos. Il a tenu une conférence de presse, une conférence, il a assisté. Pour Obekani. Maintenant, Dona, tu t'imagines, l'impact de ça. Maintenant, tu fais quoi? Tu prends son nom, tu regardes son profil et tu vois la photo d'un membre du Seigneur de dessus. Vous voulez que Selos rentre? Regardez. Comment s'appelle le monsieur même qui a été arrêté par la CRIEF? Qu'est-ce qu'il a dit? Ils l'ont mis en prison. Appelle les outils. Voilà, c'est le responsable du RPG qu'on veut kidnapper en pleine nuit. Voilà pourquoi nous faisons la voix. Nous crions parce que ils seront kidnappés. Sarakata là, ils vont les prendre. Parce que c'est le RPG, la voix. C'est le RPG, le parti qui est mort là. Que vous voulez qu'il soit?
le parrain de Doumbouya. Et pourtant, vous avez sollicité le PIP. Qui s'est opposé? Vous êtes parti trouver le PIP. Les femmes ont crié là-bas. Vous avez laissé. Et vous voyez, parce que nous avons appris. Hein. Nous avons les photos, nous avons les documents de réunion, les rencontres. Vous êtes parti. Mais qu'est-ce qui n'a pas marché avec le PIP? Je me répète encore, dans ce pays-là, qu'on appelle la Guinée, il n'y a que deux partis politiques. Je peux vous dire ça en trois ou quatre langues, c'est-à-dire c'est trop simple. On dit tout de suite la élection, on dit papa, élection. Ce sont ces deux partis politiques qui peuvent mobiliser ces militants. Ce sont ces deux partis politiques qui peuvent déployer ces cadres sur le terrain pour la supervision et autres. Tandis que Iba Ousmane Kabala parti, il peut faire au moins un ou deux. Ils vont dire, attendons un peu, on va se préparer comme ça. Mais tout de suite là, tu dis, bon, allons aux élections. C'est ce RPG qui était mort, hein, dans vos bouches là. Et l'IFDG, connaît que c'est un parti ethnique. C'est Dieu qui nous a aidés. Vous êtes arrivés au pouvoir et les gens ont vu quels sont les vrais ethnos de ce pays. Ah oui, ceux qui ont le drapeau des ethnos dans ce pays-là sont connus, hein, clair et net. Et ça, comment vas-tu? Partagez, mettez le cœur, c'est ce que le frère Taslima vous demande. Ça dit qu'en amour, vous avez tout fait. Mais Marlon, franchement, même ce matin, je me demandais pourquoi c'est le RPG. Parce que j'aurais appris et puis vérifié qu'il faut que le RPG là, le RPG oublie Kassori, le RPG oublie Damaro, le RPG oublie tous ceux qui sont en prison là. Oui, le RPG doit travailler avec la nouvelle génération. Quand vous avez tout fait pour que les Souleymane Doudou et autres ministres vauriens, Kassian, prennent la reine du RPG, qu'on a même Masso Woyke, ceux qui ont refusé pour que cela marche, il faut les prendre. Nkolo. Et nous avons dit, ce Kassori-là, ce monsieur Kassori, Ibrahima Kassori Fofana, c'est notre candidat. Élection Bakay Sini, on a candidat. Abake Sini Kende, c'est notre candidat. Nous n'aimons pas Kassori parce qu'il s'appelle Kassori. Ou bien il a l'argent, il n'a pas l'argent. Ou bien il est... Non, c'est pas ça. Ce que Kassori nous a montré là, c'est ce qui va avec nous. Hein. Voilà. C'est-à-dire ce que Kassori a comme système de travail là, c'est ce qui nous a vaincus. C'est-à-dire Kassori nous a vaincus. Dans un match, il est le vainqueur. Il est le vainqueur. Vous ne pouvez pas nous brutaliser pour non, ça ne peut pas marcher. C'est ce qui fait que Nafra, je dis à tous vos petits qui m'appellent, parce qu'on cause un franc parler. Il y a des personnes du CNL qui m'appellent, on nous discute. Il n'y a pas d'animosité, hein. On cause au téléphone. Benito, comment vas-tu? On se donne des idées. Je dis, ce que. Eh bien, Benito, quand penses-tu, je donne mes idées. Parce qu'il y a trois choses qu'on ne touche pas dans ma vie. Trois choses. On ne touche pas Kassori. On ne touche pas le RPG et on n'attaque pas Alpha Condé. Appelle Audi. C'est-à-dire les trois là. C'est-à-dire c'est comme une récitation. C'est-à-dire on ne Kassori, le RPG et le professeur Alpha Condé. Regardez dans mes actions. Je ne réponds pas à quelqu'un. Mais dès que tu mets Alpha Condé sur ton chemin là, mais disons, ça commence. Kassori, on dit oublie Kassori. Mais comment on peut oublier? Je me demande même comment on peut oublier Kassori. Lui qui a laissé son parti politique. Il a laissé tout ce qui est responsabilité dans un parti. Il a pris son parti, il a fondu dans leur projet. Ou quand il m'a l'emballé à Botomi. Cet esprit d'ingratitude là, au Botomi. Merci Djabi. Pour Botomi, Kassori, mais vous avez dit qu'il est voleur. Dans ce pays-là, je le répète, je l'ai dit, il n'y a que deux grands voleurs dans ce pays-là. Les deux plus grands voleurs de ce pays-là, c'est Kassori Fofana et Seldare Ndiallo. Parce que même quand tu appuies, on dit, oh, ce sont des voleurs. Mais
Les 3 ans là ont montré dans ce pays-là qui est vrai voleur dans ce pays. C'est-à-dire, nous prenons Kassori, on prend Sergio Lengalo, on met dans une cage. Maintenant, on prend le CNRD. Entre Dieu et vous, vous avez peur de dire la vérité. Qui est voleur? Qui est voleur? Les 3 ans là, qui est voleur? Les documents de quel département se sont retrouvés sur la toile? Les documents de quel département se sont retrouvés sur la toile? De quelle direction? Quelles sont les directions qui ont eu affaire à la CRIEF? Parce que jusque-là, nous sommes comme ça, là. Ni Cedo ni Kassori ne sont coupables parce que vous n'avez aucun document, aucune preuve contre eux. Mais pendant les 3 ans, là, nous avons vu. Ce n'est pas nous, hein. C'est les gens qui ont mis les documents ou bien nous ont envoyé. Nous avons vu les documents. Andelukaye, on dit voilà Amadou Doumbouya. Voilà qui? On dit Moussa Cissé. On voit Amadou Doumbouya. Et puis, c'est écrit. Même Ousmane Gawala a été cité dans. Ils étaient 5. Hein? 5. Les dossiers sont classés sans suite. Sans suite dans ce pays. Mais qu'est-ce que vous voulez? Vous demandez à la CEDEAO de nous demander 6 mois de rallongement. Vous demandez aux Nations Unies d'accepter que vous les montrez les partis avec lesquels ils doivent discuter. Mais pas le RPG, pas l'IFDG. Vous allez anticiper pour sortir les résultats des évaluations. C'est-à-dire, ça a anticipé quoi? Parce que on ne sait pas comment vous avez évalué. Nous n'avons jamais vu une commission d'évaluation des partis politiques. Jamais. Montrez-moi cette commission d'évaluation des partis politiques. Comment les travaux se sont passés? Comment vous les avez évalués? Et qui est venu noter ou pas? Quel est le groupe qui était là? Montre. Voilà, si. Mais lorsque vous avez appris, la pression est de votre côté. Les Nations Unies insistent pour rencontrer les principaux partis politiques. Vous avez carrément sorti le résultat pour dire non, on ne peut pas rencontrer un parti qui est en observation, s'il doit évoluer dans ce pays ou pas. Même si vous n'avez pas l'autorité d'évaluer un parti dans ce pays-là. Autant commenter parce que vous avez la force, vous avez les armes, les chars, les blindés, oui. Sinon, vous n'avez pas l'autorité d'évaluer un parti ici. Non! Vous n'avez pas l'autorité, hein? Vous appuyez parce que vous êtes en train de préparer un document pour envoyer aux Nations Unies. Nous sommes en train d'évaluer les partis pour dont vous devez pas rencontrer le RPG et l'IFDG. C'est le document que Maurice Anda est en train de préparer actuellement. Sinon, comment comprendre en âme et conscience? On ne vous évalue pas, vous. C'est-à-dire, vous avez refusé de montrer vos biens parce que c'est une évaluation. Chacun devait montrer ses biens. Vous, les membres, d'abord, vous avez refusé pour ce qui est crucial, ce qui est important dans ce pays. Lorsque Assimi Goïta est arrivé au pouvoir, ils ont montré la liste des membres de leur gouvernement. Mais non, de leur putsch. Lorsque Ibé est arrivé, ils ont fait la liste des personnes qui ont fait le coup d'État. IB, c'est-à-dire le numéro 1, le numéro 2, le numéro 3, c'est connu jusqu'à 10. En Guinée, ici, quand vous êtes arrivé, les gens ont tout fait. Dites-nous qui est numéro 1, numéro 2. D'ailleurs, même à travers la radio, nous, on a su que c'est Sadiba qui était le numéro 2. Tantôt, c'est Idi Amin qui est le numéro 2. Tantôt, c'est Sadiba. Jusque-là, nous sommes comme ça, là. Personne ne sait qui est membre de CNRD ou pas. Parce qu'avant, on communiquait en disant, le CNRD communique. C'était différent du communiqué du gouvernement. Ou bien la présence communique. Après, vous avez abandonné ça parce que vous avez vu que c'est très mal vu. Les gens ont demandé ici de montrer vos biens. D'ailleurs, on n'en avait pas besoin. Mais nous l'avons demandé dans le respect. Parce que nous connaissons vos biens. Parmi vous, ici, là, personne n'avait un château. Personne n'avait un château. Étage R+. C'est Doumbouya qui était en cours de finition de son étage. Offert par le président Alpha Condé. Mais aujourd'hui, qui n'en a pas?
Amara en a trois. Et Idi Amin, même, nous avons montré les photos ici. Il a plus de 5 étages, Idi Amin. On ne parle pas de villa. Le Amar Doumbouya, le jeune frère, le Benjamin de la famille de Doumbouya, son jeune Velassana, il a acheté deux villas collées. Nous avons vu ça ici. Mais on peut citer les maisons construites pour autant d'Alpha Condé là, à Kobaya là. Mais chaque, vous avez envoyé vos mamans, vos tantes aussi prendre des maisons là-bas. Les documents ont été falsifiés et mis à jour. C'est ce qui fait quand vous dites que nous sommes des voleurs, ça me fait très mal. Très mal. Ça me touche partout. Doumbouya est rentré ici avec 4735 euros. C'est ce qu'on m'a fait. 4735 euros. De l'Angleterre, ici, 4735 euros. En ce temps, l'Angleterre était dans la zone Union européenne, avant de quitter l'Union européenne. Ce Doumbouya aujourd'hui est milliardaire. Tellement qu'ils ont foutaise, sa jeune sœur, ancienne vendeuse de poissons, aujourd'hui commande le gouverneur et le préfet de Cancan. Sa maman a aujourd'hui l'agence de pèlerinage, sa maman, sa propre maman, qui ne voulait pas le pouvoir, hein, qui n'aimait pas le pouvoir, qui avait peur du pouvoir. Aujourd'hui, madame, maman a l'agence de voyage aujourd'hui pour le pèlerinage. L'agence de pèlerinage, maman la rentre où, dans aucune caisse de l'État. Son jeune frère, son jeune frère, on dit qu'il est militaire, il est même quoi là? Il prend le salaire d'un officier. Mais est-ce que vous l'avez vu une fois dans une tenue? Non. Le petit s'est offert un appartement à Paris. Voilà. Lui, il avait même, il dormait à Cancan dans une chambre dans la cour familiale, à Cancan. C'était même pas une cour. Lui, aujourd'hui, s'est acheté un appartement à Paris. Il a que c'est quoi? Démontre même, voilà. J'allais oublier, oh, merci Sali. Des montres. Plus de 8 montres. D'ailleurs, dans un direct, avant qu'il ne change, mon frère Azi avait fait la comparaison de la montre. La montre de Doumbouya est celle de Assimi Goïta. La montre de Doumbouya est celle de Ibé. Ibé porte une montre militaire. Une montre militaire. Adagale, comment vas-tu? Et le Doumbouya, c'est les montres de quoi? Nous avons vu ici une montre, les gens ne croyaient pas. Hein? Mais vous avez vu, on a toujours montré les montres avec les prix à la boutique. Pour éviter de dire non, Benito, vous en faites trop. Nous avons toujours montré les montres de Doumbouya ici avec le prix à la boutique. Moi aussi, ma socialicaro. Et puis il faisait comme ça, Abba qui était à démontrer. Parce que chaque monde de Doumbouya peut financer au moins 10 petits témoins d'entreprise dans ce pays. Chaque montre. Et lorsque quelqu'un m'a écrit, on dit non, c'est lui qui a pris le pouvoir, c'est le président de la République. Mais, Gavatier, vous ne connaissez pas la différence entre le président de la République et le chef de la junte. Donc, toi et moi, on ne discute pas. Parce que dans ce pays-là, un gros problème y est né. On n'arrive pas à faire la différence entre le président de la République et le chef de la junte. Pourquoi on appelle quelqu'un chef de la junte? J'ai pris la partie de non, mon frère, c'est ça que j'ai dit, que dans ce pays-là, je suis, voilà, c'est à cause à mon frère, Fofana, je dis que dans ce pays-là, il n'y a que deux voleurs. C'est-à-dire, c'est le tableau que je suis en train de détailler. Je donne tous ces exemples, parce que dès que tu dis point, on dit c'est Kassouri et c'est nous qui sommes voleurs dans ce pays. Maintenant, nous sommes en train de citer tout ça là. Parce que je mets quiconque à défi. Dites-moi le contraire. Venez me dire le contraire. Si je mens. C'est ici que nous avons vu un document de 99 millions de dollars rallonge pour Simandou. L'argent là n'est pas passé par les caisses de l'État. En 3 ans, personne n'a vu le directeur national de la douane vous expliquer combien est rentré et combien est sorti. Et chaque année, on le faisait, même au temps de l'ancien Lacomté. Le directeur national faisait la part des choses. Année exercice 96-97, j'étais au baccalauréat, 96-97, exercice tel. Lorsque Sidia venait,
Il y avait Ousmane Kaba, il y avait, qui était ministre des Finances? C'était Cheikh Baki. Ils étaient assis en train de faire, parce que c'était la promotion de la bonne gouvernance, ils étaient en train de faire la part des choses. Combien rentrer, combien sortir. Et ça a continué comme ça. Alpha Condé même, chaque année, pas le ministre des Finances, le général Toumani Sangaré faisait chaque année le bilan de ses activités. Toumani demandait à Moussa Kamara, de la douane là, s'il a même des documents, il n'y en a pas. On l'a demandé chaque week-end de déposer de l'argent quelque part au PM5. Et dans tout ça là, c'est Selou et Kassori qui sont voleurs dans ce pays. Oui, c'est eux-là qui sont volés dans ce pays. Dès que tu parles, on dit non, ce sont des voleurs. Et puis dès qu'on veut te convaincre, Benito, ils ont un problème avec la loi. Qui est la loi? Dans ce pays-là, qui est la loi? Qui est la loi? C'est Doumbouya. Parce qu'il dit qu'il est venu faire l'amour à la Guinée. C'est la justice, c'est la boussole. Et voilà, la boussole, c'est lui. Hein? La référence, repère orthodorme, OIJ, c'est lui. C'est lui, Doumbouya. On se réfère à lui quand il y a des décisions finales à prendre. Ngokouma Yene, vous maintenez Kassori en prison, Damaro en prison, vous avez écouté son avocat, vous faites tout ça là. Celui ne peut pas rentrer, il est menacé. Parce que j'ai entendu même la dernière fois là, c'est Ali Krief qui disait que non, que la procédure est en cours, qu'ils ont une nouvelle donnée contre Selou dans l'affaire de Air Guinée. Vous n'avez pas de dossier si ce n'est pas Air Guinée. Dans ce pays-là, hein, je le répète, depuis au temps d'Alpha Condé, je l'ai dit, au temps d'Alpha Condé. Et je me reprends aujourd'hui, si on fait le classement des 10 premiers responsables de la vente de Air Guinée, je le répète, même au temps d'Alpha Condé, je l'ai dit, et je me répète, Selou viendra entre 9e et 10e position. Le classement de la vente d'Air Guinée, on fait le classement du premier au dernier, c'est-à-dire on prend les 10 premiers, Selou sera entre le 9e et le 10e, parce qu'il pouvait refuser en tant que ministre de transport, dit qu'il ne signe pas, et puis on allait le renvoyer. Oui, c'est son tort, c'est son seul tort, il a signé. Mais d'abord, celui qui a monté le dossier est le premier responsable. Celui qui a monté le dossier, il est le premier responsable. Le deuxième responsable, celui qui a budgétisé la vente, est le deuxième responsable. Le troisième responsable, celui qui a créé le compte dans lequel on doit mettre l'argent. Ça, c'est le troisième responsable. Le quatrième responsable, c'est celui qui a signé l'accord avec Mamadou Sylla. Celui, le quatrième responsable. Le cinquième responsable, c'est celui qui a versé l'argent dans ce compte-là. C'est le cinquième. Le sixième, c'est celui qui a récupéré, qui a transféré et fermé ce compte-là. C'est le sixième responsable. Après, maintenant, les autres viennent. Parce que le premier responsable, c'est celui qui a eu l'idée de vendre Air Guinée. Il est le premier responsable. C'est lui le premier responsable. Celui qui a eu l'idée, on va vendre Air Guinée. Et l'argument était que non, le pays a besoin de devises. Il manquait de devises. Ils ont vendu le seul appareil. Que non, l'État ne peut plus supporter l'entretien. Oui, c'est vrai. Donc, et aujourd'hui, vous voulez coûte que coûte, hein, Kassori, hein? Vous voulez tout ça, vous voulez aller aux élections, vous voulez la paix, vous demandez la paix. Il y a un camion par-ci, par-là. Faisons la paix, arrêtez d'envenimer les choses. D'ailleurs, je profite pour remercier les sages de la basse-côte. Je remercie les sages de la basse-côte. Moi, je n'ai pas envie de parler de cet individu-là, il n'est pas important. Mes amis m'ont interdit. C'est que étudier avec moi, Mamou, à Dalaba et à Farah, ils m'ont dit arrête de répondre à des personnes inutiles. Moi, je vous ai dit, il y a des sous-sous là. 90% des sous-sous responsables, ils sont là-bas, ils s'en foutent de ceux qui supportent Doumbouya. Ce n'est pas leur problème. Ils sont nombreux comme ça. Je dis, 90% des sous-sous s'en foutent de ce type-là. Ils ne veulent même pas entendre parler de lui. Ils sont là posés. Vous avez entendu les vieux? Les sages de la basse-côte. Vous avez entendu, ils ont parlé de Sigissa. Parce que petit, tu n'as pas de repère. Peut-être il faut répondre aux vieux parce que tu es un politique très mal éduqué. Bon, viens répondre aux vieux. Ce sont tes parents, hein, c'est ce que tu as dit.
Tu as dit, si Mouta ina société na mou combitima, c'est que c'est interne. Tu as insulté toute une communauté, ta propre communauté. Même si moi j'ai bu 20 litres de bière, même si je suis sous, je ne viendrai jamais m'arrêter insulter le cognac et insulter les peules. Même si je suis, j'ai trop bu là, venir regarder les cognacs, les insulter, regarder les peules, les insulter, appartenant aux deux ethnies, même si on me pique par la tête, même si on dit non, il est quoi là, il est taré, pas le faire. Mais quelqu'un qui veut dire que quand tu vois un sous-sous qui n'insulte pas, il est comme ça. Ah ouais. Levez là, on dit, hein? Chantez. Regardez, c'est pas Rosaline Layo qui était à Conakry. Elle a commencé sa carrière en moins de 4 ans. Elle a eu disque d'or. Hein? Regardez José. Tout ceci là, on commencé après vous. Les gens la chassent. Même, je prends les gestes. Regardez le terrain Diawara. Ils chantent bien. Ils font leur carrière. Ils n'insultent pas. Terrain a chanté ici là. Ils ont pris ça. Ils l'ont convoqué. Ils ont fait tort à madame. Madame Tenen Diawara. Ils ont fait tort à la jeune dame. Aujourd'hui, regardez. Quoi, Fala Benitobe, à tel. Mais qui même écoute? Tu as sorti le premier single. Ça n'a même pas fait 20 000 vues. Tu es frustré parce que même les gens du CNRD ne partagent pas ton opinion. C'est ce que j'ai aimé. Personne n'a partagé les injures là, non? Ce sont tes propres petits qui ont créé des faux comptes pour nous insulter. Pour nous insulter. Mais regarde, le dernier que tu... Il paraît que tu as un concert aussi. Mais les sages ont déjà parlé. Ils ont dit. Je parlais de blogueurs qui ont dit. Moi, je ne suis pas je suis pas un blogueur, moi. J'utilise mes pages-là pour communiquer, pour passer ma communication. C'est différent. Un blogueur-là, c'est un clasher. Moi, je ne suis pas clasher. Mais si tu es réfléchi, là, il faut écouter. Ce sont les papas, les grands-pères de la Basque, Nena Weng. Si tu te respectes, au moins, il faut les écouter. Mais tu fais un album, tu fais un CD, hein? Un CD où il y a des injures là. Tu penses que les gens vont acheter pour écouter les injures? Tu penses que ça nous fait mal? Parce que les gens pensent que ça allait à combi, ça va les faire mal. Ça, non, c'est quand tu écoutes. C'est quand même tu écoutes. Moi, je n'écoute pas. Les musiques que moi j'écoute là, 90%, c'est la musique congolaise. Ceux qui sont souvent avec moi dans ma voiture, ils savent. C'est la musique congolaise, écoute. Et à part ça, si c'est pas, je dis à part ça, si c'est pas, comment on appelle ça, Ibro Diabaté, si c'est pas Sekouba Bambino, si c'est pas Amadou Soudia, Amadou Foula, j'écoute Amadou Foula, hein, même s'il est malade, j'écoute Amadou Foula, Amadou Soudia, c'est les anciens là, moi j'écoute. La nouvelle génération là, même Azaya, c'est là où il a fait le duo avec sa soeur. Et là, il a fait avec un autre là, au corps. C'est sa mise. Sinon, j'évite. Mais Ibro Diabaté, hein, c'est Kouba Bambino. Non, Amadou Foula. Comment il s'appelle là même? Alpha Udara. Et l'ami de mon papa. La dame, maman, Bintala Risso. Voilà les anciens que j'écoute. Si ce n'est pas la musique, c'est ce que j'écoute. Le reste là, faites 1000 albums. Bon, c'est pas mon problème. Je n'écoute pas, ça ne m'intéresse pas. Rap là, je n'écoute pas. Dinsol, je n'écoute pas. Si je vais écouter Dinsol là, les Dinsol les plus doux là, c'est pour les Jamaïcains. Ou pour les Caribéens, c'est eux qui font du vrai dinsol. C'est tout, hein? Mais au moins, si tu es réfléchi, il faut écouter les sages. Depuis la Guinée Music Forum, c'est la première fois que des gens chantent en insultant. Un, Ntanha et Mima. Deuxième Mahal, mon quatrième jeune frère, plus âgé que toi. Mon Nerena Baba. Demoi, pom, 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 pom. Tu ferais mieux de retourner aller cultiver. Isga Eburu Nimeni, tu vas cultiver. Mfisaibe, ni dégéma. Tu n'arrives même pas à ma cheville. Il a colo. Il a colo yati. Ils m'ont tourné de Vigo. Ceux qui m'ont vu de ville, ils savent de quoi je parle. Ils n'entendent tout. Tu cèdes. Je te dis ça.
Omuna gabari kele, omuna catégorie kele. Et bah, toi. Et tous ceux qui m'aiment là, mais ceux qui m'aiment, ceux qui me suivent là, ils m'envoient pas. Personne ne m'envoie tes injures. Tant partout on insulte mes parents, on m'insulte là, personne ne m'envoie. Moi, j'aime mes abonnés. Ils m'envoient les vidéos où je peux tirer des informations. Sinon, j'ai mon service de renseignement. Sinon, si c'est... Moi, j'ai... Il faut demander, quand on dit à quelqu'un... C'est un enfant de maman. Tu n'as pas entendu ça, hein? Hein? Paikou maman. Tu n'as pas entendu ça. Quand on dit à quelqu'un, paikou maman, c'est le bien. Sinon, toi et moi, là, on peut aller jusqu'à la gare routière. Je ne cède pas. Un enfant de maman. Celui qui a grandi à maman ne cède jamais. Ah non, non, il ne te provoque pas, mais si tu le provoques, il ne cède jamais. Est-ce que vous comprenez? Oh, laissez ça. Ne répondez pas les faux comptes. Ne répondez pas les faux comptes, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Merci pour les étoiles, tata. Merci beaucoup. Donc, au moins, Siga, il faut écouter ce que les vieux là ont dit. Ne écoutez au moins. Ne écoutez. Donc, je vais terminer par ça. S'il vous plaît. Nous allons lire ce que le barreau a dit, le barreau de Guinée. Voilà. Moutami Danguma, si tu veux, il faut chanter. Ina Gedira, Bete Fanamini, Yasa. Voilà. Bete Ramini, il faut envoyer ça sur YouTube. Arani YouTube, Era Siga YouTube, pour que tu aies Era Visoto. YouTube, pour avoir. Tu vas voir. Siga Bore Era Vi Matoumeni. Tu vas voir. Donc, on va. Il y a Madame Hawakita, c'est Hawakita qui veut intervenir. J'ai accepté votre demande, maman. Je ne sais pas, il y a un problème de connexion. Sinon, j'ai accepté votre demande. Ça ne passe pas. En tout cas, j'ai accepté votre demande. Nous allons lire. C'est que, voilà. Bonjour. Ça va? Oui, ça va, je vais très bien. Ça va bien? Oui, je vais très bien, madame. Merci beaucoup pour votre conseil. Merci, maman. Vous êtes ma maman, hein? Hawa, tout ce qui est Hawa là. Hawa là, c'est le miroir de ma vie. Voilà. Merci beaucoup. Bonne chance. Oh, merci. Merci beaucoup. Ouais. Portez-vous bien. Merci. Oui. Merci. Merci. Donc, c'était pour nous remercier, c'est ma maman Sahawa. Voilà. Donc, nous allons lire que le barreau de Guinée. Le barreau de Guinée dit clairement la date de 29 décembre 2024. Barreau de Guinée, voilà, maître Lassine Djoubaté, cabine Laurent Keïta et Mori Doumbouya. Monsieur le procureur général, près de cour d'appel de Conakry. Objet, dénonciation d'actes de menace, tentative d'enlèvement, de séquestration, de prise d'otages, de disparition forcée, de torture et de traitement cruel, inhumain ou dégradant. Référence à l'article 225, 230, 232, 238, 282, 286, 303, 305, 307 du Code pénal. Monsieur le procureur général, Monsieur 1, Monsieur Lansana Komara, citoyen de nationalité guinéenne, profession enseignante, secrétaire administratif du bureau politique national du RPG Arc-en-Ciel, domicile à Conakry. Numéro 2, Monsieur Marc Yombolo, citoyen de nationalité guinéenne, profession ingénieur en froid industriel, membre du bureau politique national du RPG Arc-en-Ciel. Numéro 3, Monsieur Sidiki Touré, citoyen de nationalité guinéenne, ingénieur de bâtiment, secrétaire général du bureau national de la jeunesse du RPG Arc-en-Ciel. Demeura à Conakry, ayant tous pour conseil maître Lansana Djabaté, cabinet Kourola Keïta et Mori Doumbouya, avocat à la cour. En l'honneur de vous exposer ce qui suit, voilà, nous allons lire ça, ce qui suit, voilà, c'est les petites écritures, Aïdia Fama, c'est trop petit, voilà. De près, voilà, de très près dans leurs différentes activités par des individus inconnus, mal intentionné, je prends la page rapidement, la page la plus importante. Voilà.
voilà, les différentes activités par des individus inconnus, mal intentionnés et résolus à commettre des infractions visant ci-dessous à leur encontre. Au départ, eux ainsi que leurs proches considéraient ces informations comme des simples spéculations tendant à les intimider pour les faire renoncer au noble combat démocratique qu'ils mènent au quotidien dans l'intérêt exclusif du peuple de Guinée, détenteur suprême de la souveraineté, le peuple. C'est l'occasion de rappeler de la philosophie du RPG pour la reconquête du pouvoir et fondée sur la non-violence, des élections transparentes et inclusives. À aucun moment, les responsables de ce parti d'avant-garde n'ont prôné ou encouragé des procédés antidémocratiques comme mode d'accession au pouvoir. Cela est d'autant plus constant que même à la suite du changement intervenu dans notre pays le 5 septembre 2021, cette ligne a été respectée à la lettre par l'ensemble des structures du parti, de la base au sommet. Donc, il est dès lors incompréhensible que des hors-lois sans scrupules s'offrent comme plaisir la préparation à la perpétration d'actes attentatoires aux libertés individuelles contre les honnêtes citoyens. Le devoir fondamental de chacun et de tous est de préserver comme la prunelle de nos yeux la stabilité de notre pays. Ce devoir patriotique exige que nul n'entreprenne des actions malveillantes de nature à mettre en péril les fondements de la République. Notre intention commune de vivre dans la paix sur le sol de nos ancêtres, dans le strict respect de la loi, est clé de votre progrès. À ce titre, le droit élémentaire de chaque Guinéen est de se sentir en sécurité, quelle que soit son opinion politique. Les libertés de devoir et tout. Voilà, j'en passe. Je prends l'autre page. Donc, à date, ces pères de famille inquiets, probablement à cause de leur appartenance politique par des personnes non encore identifiées, n'ont commis ou tenté de commettre aucune infraction pour qu'ils soient si menacés au point de vouloir attenter à leur intégrité physique comme s'ils étaient des parias et des apatrides. Au vu de toutes ces tracasseries inacceptables, dignes d'un passé totalement révolu et rétrogradé, les auteurs de la présente dénonciation s'estiment fondés de vous saisir le parquet afin que des dispositions idoines soient prises sans complaisance par les autorités compétentes pour faire immédiatement cesser ces actes répréhensibles à leur égard. Vous en faites bonne réception. Nous vous réitérons notre franche collaboration. Maître Lancine Diabaté, avocat à la Cour. Donc, excusez-moi, Sebeli Domambale, c'est trop petit, donc je me suis efforcé pour lire. J'ai besoin de lunettes maintenant, quoi. Voilà, normalement. Donc, Olympha, c'est-à-dire nos responsables là sont menacés de mort. Mais moi, je dirais clairement, ce n'est pas quelqu'un d'autre. Hein. Ce n'est pas quelqu'un d'autre. Je termine par m'adressant à Bala Samoura. Bala Samoura et Diamine Bachir, je vais vous donner un conseil. N'allons jamais céder le RPG pour quelqu'un. Bala Samoura, tu n'es pas RPGiste. Idi Amin n'est pas RPGiste. C'est notre gentillesse, gentillesse du président Alpha Condé. C'est lui qui a eu pitié de vous. Il vous a nommé en son temps. C'est lui qui a eu l'amour parce qu'il est, solidaire. Il ne différencie pas les gens. Sinon, aujourd'hui, l'un est un tapissier, l'autre est un agent des eaux et forêts. Parce que tu es tapissier, normalement, tu devais être un maître. On devait te mettre quelque part. Idi Amin était un agent des eaux et forêts. Il devait être dans la brousse. Il devait être dans la brousse, quelque part. C'est nous qui avons fait. C'est-à-dire, voilà pourquoi. D'abord, Idi Amin, c'est l'ancien rencontré qui a fait Idi Amin quelqu'un. Donc, on attend. Comme jusque-là,
Nous n'avons pas identifié quelqu'un. Mais le RPG là, c'est le parti, c'est-à-dire, je me rappelle de ces mouvements à Kankan, à Sigiri, à Mandiana, à Kirwani. J'ai vécu l'élection. J'ai vu le RPG en action. J'ai organisé au Carrefour SES la campagne de RPG. Nous connaissons le RPG, c'est notre âme. On ne peut pas donner, on peut donner le RPG à quelqu'un d'autre, mais on ne peut pas donner le RPG, franchement, à un militaire, de surcroît un légionnaire. On ne peut pas. Le RPG est plus âgé que Mali Doumbouya. Le RPG qui a été créé par nos ancêtres, par nos vieux, on ne peut pas, à cause de quoi? Parce qu'il a les armes. Vous voulez coûte qu'on donne ce RPG à cet individu. Pourquoi? Pourquoi vous êtes populaire selon vos proches? Vous êtes venu pour la jeunesse, selon vos proches. Vous êtes là pour le peuple, selon vos proches. Vous êtes là pour la Guinée, selon vos... Mais pourquoi vous ne créez pas un parti politique? Vous créez tout de suite là, si vous êtes populaire là. Les avons adhéré, laissez-nous avec notre parti. Laissez-lui baiser avec son parti. Créez le vôtre. Et puis vous êtes populaire. C'est vous qui avez les armes. Vous avez les caisses de l'État. Vous achetez qui vous voulez. Qu'est-ce que vous voulez? Pourquoi c'est ce RPG là? Pourquoi c'est IFDG là? Non, ce sont des questions. Nous avons dit, même nos cadres en prison, vous avez demandé d'oublier nos cadres en prison. Non, on ne peut pas, ce sont nos cadres. Ce sont nos responsables. Mais c'est vos partisans qui ont dit ici là que notre parti est mort, que c'est un parti, c'est du passé. Abakar de Fib. Abakar de Fib, il a dit que le RPG est mort, ne pourra plus se relever. Aujourd'hui, c'est le RPG qui est tant convoité. Pourquoi vous associez pas à chose à Ousmane Kaba? Associez-vous à l'ensemble Kouyaté. Prenez le parti de notre main. Pourquoi c'est le RPG? Pourquoi c'est le RPG là? Parce qu'aujourd'hui, là, ce sont ces trois personnes qui tiennent aujourd'hui le RPG. Touré, le secrétaire à la jeunesse, Comara, secrétaire administratif, et Marc Yombolo. Marc Yombolo est un. Voilà les fidèles parmi les fidèles. Moi, aujourd'hui, je deviens président du RPG. Je deviens président de la République. Étant du RPG, je nomme Marc Yombolo comme chef du gouvernement. Je prends l'ancien Comara comme ministre de l'administration du territoire. Je prends Touré comme ministre de la jeunesse. Et puis, ça ne chauffe pas. Il y a un là-bas, c'est un peu, j'étais son nom. Je le mets directement comme ministre de la Défense. Et puis, c'est fini. Parce que maintenant, là, c'est les fidèles que nous cherchons. Le RPG ne va plus travailler avec les envoyés du diable. Nous n'allons plus travailler avec ces envoyés du diable. Moi, je les appelle comme ça, les diables, les vrais diables. Ils nous ont trahis, ils nous ont menti. C'est eux aujourd'hui qui veulent nous gâter. On se reprend après. Merci. En tout cas, nous avons déposé notre document au niveau du barreau, à vous d'avertir les autorités. Ce que nous pouvons là, pour ne pas dire non, vous n'avez jamais dit ça, non, nous l'avons dit. Et à l'autre feignant là, il faut écouter les vieux de la basse côté, ils vont demander d'arrêter d'insulter. Parce que Valère Mama, voilà, ce n'est pas toi, hein. Regarde-toi. Parce que le RPG là, Ndafou Handi ça, le parti là est plus âgé que Mamadi. Même Hadja Mandoula, la maman Hadja Mandoula est membre du bureau, est membre du RPG. Elle a la carte, elle préparait, elle était très active pour le RPG. Dunia Bekalo, Kankanka Bekalo, ko Hadja Mandoula, RPG Mole. RPG, Dunia Bekalo. La rumba Kanté, respect à toi. Wapi, my queen. Ok, put in there. You okay now? Yeah. Okay. C'est bon. I love you. Donc, on se reprend après. Nous n'allons pas passer. Hey, le RPG là. Vous allez voir une autre gestion du RPG après la trahison là. En RPG géré, même quand pour adhérer au RPG là, tu vas avoir des problèmes. Pour
Pour adhérer même au RPJ, tu vas avoir des problèmes. C'est-à-dire, tu veux adhérer là. Hein? Pour adhérer, c'est ce que mon Rumba Kanté dit comme ça. Là. Pour adhérer même au RPG là, tu vas avoir des problèmes. Parce que tu vas réfléchir 1000 fois. Parce que pour adhérer au RPG là, il faut d'abord chier nous respecter. Il faut d'abord nous respecter. C'est-à-dire, tu vas jurer respecter le parti. Parce qu'il faut d'abord respecter le parti. Nous allons exiger le respect du parti. C'est la jeunesse qui arrive comme ça au pouvoir au RPG. La jeunesse. Quand nous allons porter Kassori en haut comme président, Kassori sera président, et nous allons transformer tout. Nous avons déjà verrouillé tout autour de Kassori. Laissez-nous avec notre parti politique. Faites votre élection, et puis c'est terminé. Vous pensez que même quand vous faites l'élection, là, nous allons nous battre contre vous? Non. Nous irons dans une élection transparente. C'est ce que c'est le fondement du RPG. Nous avons rappelé dans le document. Nous, là, on participe à une élection transparente. On participe à une élection organisée. Merci, mon frère Abba. Salam. Comment vas-tu, mon frère? Nous, là, organisez votre élection. Faites que quand nous allons, nous, là, c'est quand tu auras dit vraie élection, nous allons participer. Nos députés, nos maires, notre président, tous ceux-ci seront élus dans une élection transparente. Bien une élection organisée par le CNED, Moumayama. C'est tout. Abana.